d'ailleurs la première banque des PME en France. Il nous semble tout à fait normal de mettre en avant les hommes, les femmes qui entreprennent sur nos territoires et que l'on accompagne maintenant depuis plus de 100 ans. Des entrepreneurs conquérants, des entrepreneurs qui tous les jours se battent pour développer le territoire et de l'emploi. Et vous allez nous annoncer le nom du premier vainqueur de cette soirée. Le prix de l'innovation est donc attribué à l'entreprise Technoflex. L'entreprise de la WAC. Prix international, remise du prix Sandrine. Pour innover, donc les startups, elles sont là. Le vainqueur, c'est Phébus Optics. Le prix de la performance ce soir est attribué à Epta France. Donc c'est avec une grande émotion que le prix de la croissance est attribué à EMAC. Le finaliste qui donc représentera les Pyrénées-Atlantiques à la finale des prix Nouvelle-Aquitaine, c'est l'entreprise Lawak. Tout d'abord, une énorme fierté puisque la concurrence était rude ce soir. Il y avait de très belles entreprises qui étaient opposées au groupe Lawak. On est très heureux de représenter le 64 des Pyrénées-Atlantiques et plus particulièrement le Pays Basque. Et puis, bien sûr, si on va à Bordeaux, c'est pour gagner. Donc voilà, on va mettre toutes nos forces dans la bataille. Nous travaillons dans le secteur aéronautique et nous fabriquons des pièces métalliques, que ce soit en usinage, en chaudronnerie, et nous assemblons ces pièces métalliques entre elles et nous allons jusqu'à fabriquer des sous-ensembles et des ensembles aéronautiques. Et partout d'une nation qui attend tout de nous, faire accéder son ambition au rêve le plus fou, être premier, gagner devant le monde entier.